Et bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui on est à la station de Luzardiden. À combien on est? On est deux. Oui, d'accord. Bon, ok. C'était pas la question, la réponse à ma question. Bon, on est à tant de mètres d'altitude. Bah, 1400 à peu près. 1500. Ouais. 1400. Ouais. Et donc, eh bien ça y est, les premiers flocons sont tombés hier. On a un premier saupoudrage qui est intervenu sur les hauteurs. Donc, que va-t-on faire aujourd'hui? On va vers le Soum de l'Arionnais, qui a 2500 et quelques. Ouais. Et apparemment, il aurait une très belle vue sur le Vignemal, tous les gros sommets autour. Non, voilà, on va monter par une piste pendant la majorité du temps, mais bon, le paysage est joli, sympa, ouais. Quand même. C'est donc, joli, ouais. Ça on ne pas être trop gêné par la foule aujourd'hui. Il n'y a personne. Donc, on va voir. T'as mis ton bonnet? Oui. Et les gants? Oui, et le caleçon fourré aussi. Il fait 4 degrés. Il y a un léger petit vent qui souffle. Mais bon, on va se régaler. C'est beau ce saupoudrage. Il fait froid, mais c'est beau. Première petite gelée. Ça va, tu te réchauffes? Tout juste, je supporte tout ce que j'ai là. Ouais. Voilà, on continue pas tout droit. On tourne. Et on va se monter un beau petit mur là-bas tout à l'heure. Ah, les nuages sont en train de rentrer pas mal, hein. Je dis les nuages sont en train de rentrer. Ouais, j'espère qu'on aura de la vue quand même au sommet parce que. Ouais, il va y avoir des trouées, mais. Mais les hauts sommets sur Gavarnie et tout ça, à moins que ce soit beau sur la crête frontalière. Ouais. Bon, on vient de monter une piste rouge. Je comprends bien pourquoi on souffle comme des bœufs. C'est vraiment très très joli. C'est une piste de ski, mais c'est la plus jolie que j'ai faite. Hors saison de ski, bien sûr. Bon, est-ce que ce serait lui, l'Arionnais, tu penses, là? Le petit sommet arrondi? Ouais, c'est trouvé. C'est possible, il ressemble. Il y a la piste qui monte. Ouais. Qui monte quasiment jusqu'au col. J'en bafouille. Je pense maintenant en distance, on doit plus être très loin. C'est bien. On a déjà fait 3 km 100 et il y a à peu près 4,75 de montée. 416,2, je crois. On serait pas bien là pour déjeuner. Vue sur brouillard. Oh là là, les premières traces de pas dans la neige. Ben voilà, d'un point de vue sympa. Putain, les nuages, ils sont en train de monter. Oui. Regarde ça. Ben ouais, pour le moment, le sommet est dégagé, mais bon, ouais. Ça va durer. Allez, vite, vite.
Disons qu'on n'aurait pas de chance, quoi. Ben ouais. De toute façon, on n'a jamais eu de chance, nous, de toute façon. Oh là, ça y est, quelle imérouille. De toute façon, partout où on va, il y a des nuages. Elle est où ta coquille? Ben, dans le sac. Mettons les chauds. C'est joli, ce petit cirque. Alors voilà, faut qu'on aille jusqu'au niveau du col à gauche. Le col de la Lotte, c'est ça? L'Oze. L'Oze. L'Oze 2. Ah oui, ça fait l'Oze, effectivement. Oui. Je sais pas pourquoi je vous rajoute un thé, moi. Si jamais c'est tout bouché, ce sera le col de la Lose. Oui. Comme un petit problème de thermocentre, nous deux. Ça, ça a toujours été comme ça. On n'a jamais été d'accord ni sur les couleurs, ni sur la température. En fait, moi j'ai chaud très vite, mais dès que je m'arrête... Mais la froid très vite aussi. Ah ouais. Moi non, tranquille. Dès que je m'arrête, c'est l'horreur. Moi j'ai chaud tranquillement, j'ai froid tranquillement. Voilà, c'est une extrémiste de la température. C'est vrai. Alors, on va suivre la piste qui part en zig et en zag pour arriver au col. C'est pour ça que ça craque au pied. Ouais. Ouais. Ça commence à geler. Une bonne petite gelée, ouais. Ouais. Ah. Merci, Ra, de nous réchauffer de tes rayons. Attends, voir Ra en souris. Aïe, aïe, aïe. Alors, quand il fait trop chaud, ça va pas, mais quand il fait trop froid, ça va pas non plus. Quoi? Attends, voir Ra en souris. Oui, oui, j'ai compris. Rat, souris, souris. Musaraigne, mulot. On a vu un renard, mais bon, je suis pas sûre que je l'ai bien net. C'est dommage pour le renard. Il était flou. Ça s'est mal goupillé pour le goupil. Ah, j'en ai plein de comme ça, j'en ai plein de proches. Ouais, j'avoue qu'elle est bonne. Attends, c'est quoi? C'est quoi? Là, il y a une autre piste qui redescend au niveau du parking de Luce aussi. Mais bon, on va pas la prendre parce que ça fait faire un détour pour le retour. Là, je peux vous dire que quand on passe à l'ombre, changement de décor. Hein. Le sol est glacé, ça y est, ça voit pas le soleil, il fait pas chaud du tout. Ça pique là. Ta veste, ça sera mieux, ça. Ouais, je vais mettre ma veste. Ah quand même. Ouais, avec une petite épaisseur en plus, ça sera mieux. Ben oui, mon talon, moi, c'est... La dernière partie, aïe, il y a une chose. À l'ombre, il fait froid. Là. Allez, le soleil est caché juste là, on le voit. On arrive. On arrive au col de l'Oz, là, non? Normalement, ouais. Hein? Oui, je pense. C'est vraiment joli le coin. Bon, pour les amis skieurs, la sous-couche est en train de se former. Ça, cette saison de ce côté, ça doit pas avoir beaucoup de soleil. Et je sais pas si ça s'endort, mais ça craque sous les pieds. C'est complètement gelé. Waouh, les degrés en plus, dès que le soleil est présent, c'est du bien.
C'est le lac des Espiguettes alors? De l'Espiguette. De l'Espiguette. La rue est à droite. Ah oui, on voit un cairn. Pour ce mélange minéral neige là, et donc la Rionnée est au-dessus. C'est Redos le final, hein? Ouais. Pouf. C'est un peu avec les rochers enneigés là. Pouf. Oh là là, cette vue de ouf là. Ouais, ça glisse avec la neige. Il n'y a pas de place pour deux. Ah. Si? Si, 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 après oui. Il y a un peu de place, oui. Pour accélérer, il faut faire gaffe avec la neige, quoi, de ne pas glisser. Ouais, ouais, parce que là. Petite séquence descente face à ça. Ben voilà, ouais. C'est un petit peu chaud là, hein. Ouais, c'est. Fallait pas glisser, hein. Ah non, non, avec la neige, c'est. Ouais, ouais. Il y a froid dans la neige. Ben oui. Bon, on va s'installer un petit peu plus bas, hein, dès qu'on voit deux cailloux où on peut poser nos fesses.
Bon allez, on reprend du service avec les blagounettes Pompat. Apparemment, ils ont sorti des nouvelles. C'est quoi toi? Oh. Pourquoi les moutons mangent souvent des glaçons? Pourquoi les moutons mangent souvent des glaçons? Pour avoir la laine fraîche? Ben oui. J'ai gagné tout. C'est la première fois que j'en trouve une, je suis trop contente. Alors, et moi donc? Ah, c'est série blagounette pompote spéciale mouton, hein? Ah. Si un mouton blanc se baigne dans la mer Noire, comment ressortir? Comment ressort-il? Pas un gigot, mouillé. Tu la connaissais? Oui, mais oui, bah, il va dans l'eau, il ressort mouillé, c'est normal. Ah ben voilà, trop fort. Hein. On est trop fort. Bon, on les mange? Oui, ça serait bien aussi. Ben. Allez. On va pas faire que les porter. Ouais, non, non. Bon allez, pause finie, on repart. Ça va être un peu scabreux au départ. T'as trouvé des bâtons? Ouais. C'est les miens. Ah d'accord. C'est bien parce que la roche elle commence à être chaude là. La neige commence à fondre un peu. Ouais, fais gaffe, ça glisse. Hein. Ouais. Alors, il faut qu'on rejoigne le col là-bas avec la cabane. Ah, vas-y donc. Bon, voilà ce qu'on vient de descendre. C'est pas facile. Mais non, je déconne. On est passé par la gauche là. Mais non, il fallait dire qu'on passait à droite, on en était plus héroïque. Par ici. On n'est pas en montagne pour faire de l'héroïsme, très cher. Ok, très cher. Attends, c'est les cailles. On est en montagne pour découvrir et prendre du plaisir. Comment il s'appelle déjà ce lac? Putain, gueule. Espuguette. Ah oui, le lac de l'Espuguette. Il y a des choses comme ça, j'arrive pas à les rentrer dans le crâne. Hein. Cairn, hein. Suivons les cairns alors. Ouais. C'est pas mon catalogue. Hein. Ah, le final il se mérite quand même. Hein. Faire un petit peu de grimpouille. Hein. Oula, je pense que dans le cirque où on est monté, à gauche de la cabane, on va être dans le dans la nasse, on dirait. Vas-y, je suis en train de te filmer dans la réditude de la descente. Ça a l'air d'être bien bouché à gauche là où on va nouer. Ouais. Enfin, ça nous, hein, les viscoses, ça va. Le soleil.
et la Caperette. Donc là, tu es en train de me dire qu'on descend raide. Oui. Et qu'on va remonter raide en face. Pareil. Ouais. Pour faire une petite boucle. Ouais. Le tour de la Caperette. Ah oui. Allez. Qu'en pensez-vous, messieurs, dames? Oui, oui, on y va. Ok. Bon, c'est tout le monde dit oui, hein. Oh là là. C'est là-bas. Oui, on va pas descendre par là. C'est incroyable parce que ça a fondu tout ce matin. Ah, ça a fondu comme neige au soleil. Il est content de lui, c'est le principal. Allez. Allez, prendre les langues à la descente pour remonter à... Ouais. Pour pas sentir la pente. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça va se faire, mais c'est une facilité. On est parti juste à temps du sommet. Hein. On est parti juste à temps. Hein. Oh. Ben regarde, ça sent le nuage de partout. Là. Oui, ça, c'est que le passage. Hein. Ça y est, c'est fini la neige. Aujourd'hui, oui. Oui, je me doute qu'il y en aura d'autres. Ouais. Ça descend bien la piste rouge. Elle monte bien aussi. Oui, c'est vrai que ça montait bien. Après la belle descente que vous voyez derrière nous, là, avec la piste en zigzag, eh bien, il va y avoir une belle montée sans zigzag jusqu'à cette petite cabane là-haut. Facile. On sent même pas. Oui, c'est ça, on ne sent pas. Alors là, ça va être court, mais bien intense, ça. Expresso. C'est court mais c'est intense. Ah. Comme le café. Ouais. T'as vu l'arbre là-haut? Ouf. Bientôt la bascule. Ah, c'est dommage, ça doit être joli de ce côté aussi. La somme de groom en face là-bas. Et celle du lisse. Ah oui, il y a quelques outils. C'est sympa de ce côté aussi. Hein. Oui. Ouf, oui. Ouais, ça doit être très très beau. Regarde tout le lot devant nous là. En face, c'est quoi là-bas? Où ça? Ben, partout là où il y a les nuages. Là. Ben, c'est vers la zone de la Scour, les listes. Ah, ben, heureusement qu'on n'est pas parti là-bas alors. Il est où aussi? Et on voit le col du Tourmalet qui brille un peu au soleil. Ouais. Bon, marmotte ou logopède? Logopède. Ah, c'est parce que c'est plus vite pour le retour à la maison. Ouais, c'est un peu enfin, plus au parking. Court. C'est un peu plus court, mais c'est un peu plus radoucé en effet, mais bon. Dans l'herbe, ça faisait pas mal. Ouais.
C'est mieux que les cailloux de l'autre côté au final. Ouais. On voit le parking où on est garé en bas là. La chaussure se descend raide. Des oreilles, ça rougit, ouais. Ça sent bon test pour le genou, hein. Ça va devenir comme ça. Nicolas, si tu me regardes, le genou pour la main, ça va, hein. Ça a bien fondu hein, depuis ce matin. C'était vraiment un petit saupoudrage. Hein. Non, tu te tais. Tu te tais. Je m'en doutais que tu allais la faire. Je m'en doutais. Ben oui. Je vais amener le jeu du haut, tiens-moi. Non, c'est un caillou ça. Oui, nous passons par le château d'eau, c'est un château médiéval et par les princes d'eau qui ça a été ménagé d'ailleurs. Ça coule de source. C'est comme ça. Oui. Il y a encore quelques vacanciers. Enfin, je dis vacanciers des alpages, hein. C'est pas péjoratif ce que je dis. Accueilli par la foule en délire, une voiture sur le parking. Ah ben c'est la nôtre. Hein. Ben oui. C'est pas mieux. Clap. Clap de fin. On a innové là. Waouh. Je sais pas, un truc qui me passait comme ça par l'esprit. La lumière fut. Voilà. Donc nouveau clap de fin pour cette sortie, nouvelle sortie avec un nouveau pic, une nouvelle boucle au niveau du... C'est un pic ou c'est un zoom? C'est quoi la réunion? C'est un zoom, c'est un pic. Il fallait monter de toute façon pour y arriver. Alors. Ouais voilà. Donc on est monté 900 D+, et au final la boucle fait 10 km. On a mis les pieds dans la neige et puis là comme vous voyez derrière nous, il n'y a plus rien. Voilà, ça a fondu. Comme neige au soleil. Allez, voilà. Vous ne connaissez pas celle-là, hein. Il est content, ça fait au moins 4 fois qu'il a dit. Et donc, ben, c'était bien sympa. Et franchement, pour une montée en station, vraiment jolie montée. Hein. Oui, le paysage est joli autour. Ouais, c'est pas gênant. Les structures sont ultra discrètes. Et c'est vrai que franchement, c'est vraiment une belle montée. Moi, je me suis régalé tout du long. Sauf la descente au retour, c'est un peu raide quand même. Ouais. On a dû mettre le genou dans la rivière pour le faire refroidir un peu. Mais... Bon, en tout cas, il fait pas chaud. Je sais pas combien il fait. Je vous le marquerai en dessous, là, mais il y a un petit vent encore qui souffle qui est pas bien chaud. Bon, pour le coup, on va aller se mettre au chaud dans la voiture. Oui. Allez, check. 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 Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.